j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et comme vous avez pu le voir dans le titre, on se retrouve pour un vlog. Vlog qui sent l'été. On n'est pas encore en été, mais ça sent l'été. Aujourd'hui, il fait tellement beau qu'avec ma famille, on a décidé de se faire un petit pique-nique à la plage. On va également bronzer, bouffer et faire du paddle. On vient d'arriver au spot et on a un petit cabanon et tout. C'est trop bien où on s'est mis. Du coup, voilà où on est. On va galérer parce que moi j'ai bien galéré avec les courses. Personne n'est venu m'aider. Hein. Et il fait super beau, j'adore. Étant donné que le vent il vient comme ça, on doit le mettre de l'autre côté. C'est parti, on va faire du paddle. Regardez-les. Mais qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Regardez son fiac. Oh, regardez, il ramasse mes pots. Bon, une qualité, t'as peur. Les amis, on se retrouve beaucoup plus tard. J'avais pas tant de choses à vlogger finalement, puisque j'ai passé la moitié de l'après-midi dans l'eau ou à bronzer, et clairement voilà, il y avait pas grand chose d'intéressant. Allez, fais-nous une démo lavage des tables, et il n'y a pas à faire des choses à la locale comme ça, vraiment. Aujourd'hui nous sommes dimanche et on s'apprête à retourner à la plage pour refaire un peu de paddle. Du coup c'est parti, on se retrouve une fois qu'on est à la plage. Cette fois-ci on n'y va que moi et Paulin. Et du coup j'ai sorti mon maillot orange que j'ai acheté sur Zaful. Normalement je voulais montrer. Pour la tenue j'ai mis un petit haut, un petit short et toujours mon panier avec un petit chouchou qui va avec mon haut au cas où je veux m'attacher les cheveux. Et écoutez c'est parti, on se retrouve une fois qu'on est à la plage. Bon du coup... Oh mais ils sont dégueulasses vos miroirs. Du coup au programme on va faire du paddle. Et on va aller jusqu'à mes jambes. On va essayer. Ouais on va essayer parce que bon lui il peut mais moi je ne garantis rien. Pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous avez vu la dernière expérience en kayak. Je vous la remettrai juste pour le kiff. Sachant que hier j'ai grave apprécié le paddle, alors que d'habitude j'aime pas. Je vous pose là, je sais pas si je suis droite ou pas. Je vais me changer. Voilà, moi je pense que ça couvre rien du tout. Mais voilà, j'ai mis un petit gilet. Attendez. Sinon je vous avais montré que le haut de maillot porté. Là du coup j'ai mis le bas. Et regardez comment il est à l'arrière. Franchement il est super beau. Et du coup je mets un petit gilet parce que je pense que je vais avoir un peu froid. Et c'est parti pour souffrir. Je vous laisse ici parce que je suis clairement pas prête à faire tomber ma caméra dans l'eau. On se retrouve du coup une fois qu'on aura fini. A few moments later. Je suis complètement trempée parce que je suis tombée dans l'eau. Mon chéri a demandé à son formateur de passer avec le Zodiac et de me faire tomber. Du coup pour se faire pardonner, bah il va me faire faire un tour de Zodiac maintenant. Donc je vais aller me rincer, juste me rincer, mettre un pull et me couvrir, parce qu'en Zodiac je pense que je vais avoir un peu froid. Mais sinon ça s'est bien passé. On n'est pas parti jusqu'à où on voulait aller. On a fait à peu près la moitié je pense. Mais il a commencé à vraiment faire gris et avoir du vent, et étant donné que je suis complètement débutante, j'allais pas me jeter dans la gueule du loup on va dire. Donc je vais me changer. Voici mon swag pour aller faire du Zodiac. J'ai mis le pull à Paulin et j'ai mis une petite serviette avec des tongs. C'est parti. Vous voulez être tranquille ou je peux vous envoyer des enfants? Bon du coup c'est ça le Zodiac avec lequel on va aller faire un petit tour. Et regardez, c'est vraiment cool. Après il fait vraiment pas beau aujourd'hui, mais il fait pas non plus froid, donc c'est sympa. Petit gilet au cas où votre go tomberait dans l'eau. Et on a monsieur qui prépare tout pour qu'on aille faire un petit tour.
Souris pour la vidéo. Je souris bêtement comme sur ma bande Night Stayland alors que archi pas. Bon allez, je vous filme le paysage, j'arrête de raconter ma vie. Une fois je vous avais montré où on se posait tout le temps avec mes potes. Ben c'est à côté, sauf que c'est côté plage en fait. Et je vais vous montrer. Voilà, c'est ça, c'est cet endroit là là qui est là. Et c'est super cute, il y a des restaurants. Donc l'été tu peux venir manger face à la mer, tu peux venir pique-niquer ici là. Et là-bas c'est mes gens. Et du coup là on va aller à la grotte Saint-Père, là. À la grotte de Saint-Père. Donc c'est parti. De retour. La voiture d'un high school musical. Du coup là on va ranger le Zodiac dans le hangar à Zodiac qui est juste là. Et du coup c'est tout un micmac pour pouvoir le ranger. Bon du coup j'en profite pour vous parler un petit peu. J'ai passé une trop bonne journée, une trop bonne après-midi. Là on va aller se changer. Monsieur il est très content à chaque fois de me montrer son univers, où il travaille, ce qu'il fait. Et il aime bien quand je participe aux mêmes activités que lui. Bon on a fini, on vient de sortir, je me suis changée. J'ai mis un petit pull parce qu'il faisait assez froid quand même. Enfin un mouillé il fait froid. Après quand t'as un pull ça va, il fait bon. Et écoutez, on a un petit creux donc on va peut-être aller manger une crêpe pour, ou quelque chose comme ça. On va voir ce qu'on va se prendre à manger. Je suis actuellement sur Fréjus avec toute ma famille. Si vous me suivez, vous savez que ma soeur elle a fait une formation pas très loin de Fréjus. Et today c'est son dernier jour au camping. Quoi, elle fait ses stages sur Toulon et on est venu la chercher. Du coup là nous sommes à 1971. Ok, je pensais que le truc allait être en haut, il y est archi pas. 1971, on est avec ma famille et on va grailler parce qu'on a faim. Ma mère est déjà venue là plusieurs fois, donc du coup c'est pour ça qu'on revient là, parce qu'elle a dit qu'elle aimait plutôt pas mal. On a ma soeur qui sait absolument pas me prendre en photo. Je n'ai pas d'inspi de vidéo, je ne sais pas quoi vous sortir cette semaine. Donc je me suis dit, allume ta caméra, filme, dans tous les cas tu trouveras toujours quelque chose à la raconter. Je vais vous montrer déjà la view, ça va faire passer des minutes, t'as vu, parce que je sais pas en ce moment. J'aime bien, déjà quand les beaux jours arrivent, j'aime bien faire des vlogs. J'aime pas forcément faire des vidéos face cam. Mais je me rends compte que je fais beaucoup de vlogs et moins de vidéos face cam. Et j'aime les vidéos face cam. Bref, je suis complètement contradictoire, on s'en fout de ta vie. Montre-nous la view. Regardez la view s'il vous plaît. Ah là là, le sud. C'est beau hein, il fait beau chez nous. Il est vrai qu'il fait beau dans pratiquement toute la France en ce moment. Mais le sud, rien que pour ça là. Tu vois ça là derrière là. Il y a notre petite commande. Moi j'ai pris un petit cheeseburger avec des lasagnes. Hop. Ouais. Excuse-moi, cheeseburger McDo, cheeseburger là, il n'y a pas photo hein. Est-ce que vous me voyez bien? Petite basket, plutôt mignonne. D'ailleurs si vous voulez voir d'où elles viennent, allez voir mon haul, mon swap en couple chez IN. Petite paire de lunettes, petit sac, petite gourde, petite lasagne, petit burger, du sable. Et la mer. Du coup on a récupéré ma soeur qui est... J'aime pas parce que vous voyez là mes bébières, ils se sont décollés là, ça m'énerve. Bref, on a récupéré ma soeur plus tôt que prévu, donc ce qui est cool c'est qu'on peut aller manger une petite glace. Regardez ma soeur, elle est juste là. Alors ça y est, c'est fini la débandade, la fiesta, les sorties, les soirées, l'indépendance, finito. Finito pipo. Finito pipo. Et regardez, là c'est toutes ses courses parce que ma mère, on était parti lui faire des courses. Elle lui a fait des courses pour 6 mois, vraiment. Du coup, elle ramène tout ça. Et là, on a sa grosse valise. Combien de jours on se retrouve plus tard, mais je me suis dit que j'allais regrouper tous les petits trucs parce que des fois la journée je vlog
sans trop aucune raison. Puis je sais pas quoi faire avec les bouts de rush que j'ai. Donc je pense que je vais tous les assembler. Et là on est un petit peu dans la continuité. Et aujourd'hui encore une fois on va à la plage. Oui je sais tous les jours on est à la plage. Mais il est vrai que l'été on danse tellement, on se déplace tellement qu'on a même pas, on a même pas le temps de profiter de la plage de chez nous, du Mont-Royon, du sable. On est tout le temps soit sur la route, soit en spectacle, soit en répétition, soit en train de créer des costumes ou de faire nos costumes. Donc c'est vrai qu'avant que la saison commence, et là elle va commencer donc en juin, on aime bien profiter de la plage. Donc c'est parti, let's go. J'ai préparé mon petit sac parce que en ce moment je travaille sur un petit projet de création de quelque chose. Je vous tiendrai au courant quand ce sera fait parce que je pense que ça va prendre du temps. J'ai pris mon petit sac à main Lena Situation. Je vous montrerai mon outil plus tard parce qu'on compte faire des photos avec mon chéri. Et c'est parti, direction de la playa. On est arrivé à la plage, on s'est posé sur l'herbe devant le petit truc de jeu et du coup il y a toute ma famille. Bon app. Et ils ont pris le temps qu'on est arrivé les petits steak frites, ils sont délicieux, ils sont trop bons. Moi je prends steak frites et mental ketchup. Et il fait trop beau, c'est trop cool. Bon, là nous sommes en pleine session TikTok avec notre caméraman qui nous filme et on est en train de réviser un petit TikTok assez drôle. Du coup voilà, il fait bon, on profite pour faire des TikTok pour notre TikTok familial et je vais vous filmer un petit peu. Comment on fait ça là? Des TikTok finito, petite glace. Petite glace. Je pense que je vous reprendrai quand on sera rentré chez moi. En ce moment j'ai tout le temps cette petite gourde que je me suis achetée chez Lidl à 2,99€ et ça me force à boire parce que je bois jamais d'eau. Du coup c'est sympa parce que depuis que je l'ai je bois un peu plus. Hello, today, nouveau petit jour. Vous vous doutez bien où est-ce qu'on va encore? À la plage, mais avec toute ma famille encore. Et là je suis à Carrefour puisque je peux pas aller à la plage faire des pique-niques sans manger de saucisson. Is dead, genre je kiffe le saucisson. Donc, quel saucisson est-ce que je vais prendre? J'aime bien les saucissons qui sont mous, mais pas trop durs. Mais pas trop mous, genre entre les deux, tu vois. Genre pas trop mous, pas trop durs. Du coup, celui-là il m'a l'air pas mal. Je crois que j'avais pris celui-ci là, le Carrefour. Ou peut-être celui-ci. Non, il est trop dur, mais bon. Comme ça, hop là. Il y a ma mère en face en orange. On est en train de faire les dernières courses. On va aller en direction de la playa. Du coup, aujourd'hui, nouveau spot. C'est très rare qu'on vienne là. Nous sommes à hier. Regardez en face, il y a ma soeur qui vlog. Et c'est super beau aussi. Si je crois que c'est la première fois que je viens me baigner là. Alors que j'habite vraiment à côté. Du coup, on est à la plage. Regardez comment c'est beau derrière l'eau turquoise et tout. C'est vraiment trop beau. Et je vais du coup me mettre en maillot. Je vais me mettre du monoeil, me dorer la pilule. Alors là, on a Tic et Tac. Elle a pris le pario que j'ai lavé pour faire mes TikTok. Mais ouais, c'est pas très grave. Regardez, à chaque fois, elle prend cette bouteille de monoeil. Elle a dû en vider 3. Genre, alors que c'est quand même 1 litre. Genre, vraiment 1 litre. Et elle se le vide à chaque fois sur elle. Et ma mère, elle fait que le gris dessus. Tu mets. Par contre, je t'explique. T'as pas intérêt à mettre du moneil sur ce pario là, t'as compris? Non, attention. Au fond là-bas, on a Junior et Paulin qui sont en train de se baigner dans l'eau. Qui vient se baigner? Moi. Putain, je me suis pas rasé mes poils. Petite session TikTok.
J'ai encore oublié de clôturer ce vlog. Du coup, on se retrouve je ne sais pas combien de jours plus tard. Mais j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'avais vraiment envie de vous faire un long vlog, de vous filmer plusieurs jours, de pas me prendre la tête pour trouver une idée de vidéo. Pour le mois de mai, j'ai prévu plein de vidéos. J'espère que j'arriverai à toutes les sortir et à toutes bien les travailler comme j'ai envie qu'elles soient travaillées. Je sors 2 vidéos par semaine, le mercredi et le samedi. Mais si vous avez des idées, voilà, je pourrais faire un petit bonus et passer à 3 vidéos, vous me dites ça dans les commentaires. Et écoutez, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bisous.